Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo du mercredi 9. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le petit vaisseau pupute, le vaisseau Pussat. C'est le vaisseau qui est là pour taper. On est là pour avoiner, on n'est pas là pour faire semblant. On est vraiment là pour taper du joueur. C'est le but, de défoncer assez rapidement. Ok, bon, là, on va se faire défoncer parce qu'on a un autre Pussat qui nous tire dessus. Pourquoi, quand j'arrive dans une vidéo, il se passe toujours des choses comme ça? Foutez-moi la paix, les gars. Laissez-moi tranquille, je pensais pas que ça aurait été un Pussat qui m'aurait loqué aussi. C'est dommage. On va se mettre en anneau celle-là. Hop, on va se remettre comme ça, on va lire vite fait les petits commentaires. Donc super vidéo en parlant de la vidéo, petit enchaînement au calme de la UBA. Quelqu'un qui me dit 45-15 sur la vidéo Full Left 3 l'ancienne. Hello dude, as easy get wrecked. En même temps, je suis Full Left 3, donc je crois que je t'ai laissé en string, si c'est la personne que je pense. Donc tu peux dire easy, personnellement, ça me convient. Hop, on va faire ça, on va se remettre en papillon, on va se remettre en fufu, on va retourner en map 3-6 parce que les gens avaient l'air assez agressifs. Dommage que le petit Pussat nous a bien avoiné aussi lui en papillon parce que sinon on aurait pu retourner le Solas easy. Yopara, j'adore ce que tu fais, c'est mon premier commentaire, continue, je te suis depuis l'ancienne chaîne, tu mérites large plus de vidéos, continue. Je pense que tu voulais dire peut-être plus d'abonnés que plus de vidéos, mais c'est gentil, merci, j'apprécie le geste. Dizaine Lava Spectrum sur le Pussat, moi j'ai l'Aegis Légende sur le Surgeon. Mais écoute, tu vois... Quoi? Moi j'ai l'Aegis Légende sur le Surgeon. What? C'est quoi ça? T'as l'Aegis Légende sur le Surgeon? Kéké, ça veut rien dire ton commentaire là. Ça veut strictement rien dire. Oui, c'est le Lava Spectrum que vous voyez actuellement à l'écran, mais l'Aegis Légende sur le Surgeon, non, tu risques pas de l'avoir. Enfin, l'Aegis, ça porte son nom, quoi. C'est Aegis, quoi. C'est Aegis quoi. Oh, toi t'as pris Bagdad. Toi tu sais que quoi? D'où tu me mets une piquette comme ça? Oh, shit! Jamais de la vie tu dois me mettre ça là. Oh, reste là mon pote. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit putain le gars. Quoi? Ah, je me suis fait niquer comme un... On revient sur ce qui vient de se passer ou pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que je me suis fait retourner comme un con? On peut en parler ou pas? C'est très triste ce qui va se passer là. Attends, c'était lequel là? Parce que... Ah, j'étais bien triste là. Là, je... Comment dirais-je? J'étais persuadé que je le niquais en papillon. Je me suis dit, il a plus de vie. J'aurais jamais pensé qu'il aurait passé sa config derrière. Et si, on s'est fait retourner. Donc why not, hein, ça fait plaisir. Quand ton Rex bug en G quitte le groupe, mets-lui des roquettes. Non mais en fait, c'est que même, tu peux pas l'attaquer même en Galaxy Gate, hein, c'est-à-dire que ton Rex, c'est ton ami, donc en GG, tu ne peux pas l'attaquer. C'est cool de faire ça de ton intent, c'est un bon concept continu à propos de la vidéo des 4000 abonnés, bah c'était juste pour les 4000 en fait. Hein. Après, les throwbacks, je vais pas en faire tout le temps non plus, je te le cache pas, donc voilà. Ok, donc là, il y a un Spectrum, il y a lui derrière, il est un peu... Quoi? Tu me loques d'où, toi? Sans déconner. Ah ouais, il y a l'autre derrière qui est en Pussat Fufu comme tout à l'heure. L'autre c'est un... Ah ouais, donc t'arrives à me garder en lock. Ah ouais, non mais toi t'es très fort. Mec, t'arrives à me garder en lock alors que... Ah oui, d'accord, donc l'autre... Mais c'est... Le mec il me lock comment quoi? Je mets une IEM dans les protés, il arrive à me locker. Et puis l'autre il est en Pussat exprès pour moi quoi. C'est Non, j'y arrive plus avec ce Pussat. Hein. J'avais dit que je le prendrais plus mais j'y arrive plus là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très moche là. Je peux me faire retour. Mais je suis trop con, mais je le sais en plus. J'ai dit je vais me faire retourner parce que si je mets pas de bouclier instantané je vais crever. Qu'est-ce que je fais? Je suis débile à souhait là. Je suis débile là. Eh l'autre il va me faire chier là. Vas-y casse-toi de là, tu sers à rien avec ton Tartarus de merde. Je vais encore péter. M'en fous, je vais essayer de péter lui avant. Voilà, formidable, on se remet en fufu. C'est formidable, on essaie de se réparer un peu hein. On peut-être essayer d'enchaîner sur le Tartarus hein, qui sait hein. Peut-être possibilité, ah non peut-être pas en fait. Peut-être pas, je pense pas. Il y a peut-être pas possibilité, je pense pas. On va essayer de se remettre sur l'autre config. Il reste comme ça, d'accord, pourquoi pas. 5-6. On va essayer. Non, ça passera pas. Dommage. Bon, bah écoutez, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand le sort s'acharne. Attends, mais je me rappelle, ce Pussat avant, c'était plutôt la bonne franquette et la bonne déconnade, quoi. Là, c'est chaud. Sans le micro qui déconne, c'est pas trop mal. À rajouter quelques moments où tu rages un peu, ça pourrait être marrant. À propos de la vidéo nouvelle formule que j'ai faite la semaine dernière. Mais c'est vrai que ça change un peu. J'ai trouvé ça plutôt cool de faire un peu plus de montage et de mettre des passages voilà, quand je joue avec des gens du clan ou quand je fais 2-3 petites invas.
Je me dis plutôt que de rien faire, bah, je vais quand même mettre le mode record et puis comme ça vous entendrez ce que je dis. Et puis il y a des moments qui peuvent être sympas, donc c'est plutôt cool. On va aller voir vite fait en 2-6 s'ils sont aussi hostiles qu'en 3-6. Salut super vidéo, juste le son qui est dégueulasse, sinon épique l'intro à propos de la vidéo nouvelle formule. Eh oui, c'est vrai que le son était particulièrement dégueulasse, je m'en excuse. Ça enchaîne trop vite, on rentre direct dans le fight. Attends, parce que Deo, tu sais, Deo sont très gentils parce qu'ils te mettent toujours vers un gars au début. Ça c'est très cool. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait pas du tout. Peut-être au-dessus là en fait. Si, je savais bien. Toi aussi du coup. Oh toi, Vissup et tout là. Oh la Vissup. Ouais, tu te mets en fufu si t'as pas d'IEM. C'est triste. Ah oui, t'as tenté la mine. La mine qui, j'ai l'impression que la hitbox de la mine ralentissante est de plus en plus grosse. Hein. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que la hitbox devient insane. Ça enchaîne trop vite. Bah, c'est le but d'un best-of en fait. Après, est-ce que tu voudrais que, au lieu que je mette directement l'entrée dans le fight, je vois peut-être ce que tu veux dire. Tu voudrais peut-être que je mette un petit peu d'où commence le fight. Ouais, c'est possible. Je pourrais peut-être faire ça, mais ouais, why not, on pourrait peut-être. Il suffirait juste de. Oh là 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 là, je sens qu'on va se faire. On va se faire Bagdad. Ok, toi tu vas peut-être être le seul qui va pouvoir me rattraper. Donc 5, 6. On va essayer du coup de jouer un peu avec toi. Oh, tu me mets quand même des pralines, hein, donc. C'est-à-dire que là je me fais enculer tout simplement. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. J'ai très mal joué. On va essayer de se remettre en fufu et de prendre sa vengeance. On était en fufu, j'ai dit. L'autre était en fufu aussi ou pas? Je pense pas. Ils étaient en train de faire du QI, donc potentiellement non. Malgré qu'il y a un fufu juste là. Qui est en train de remonter au niveau de la base. Je sais pas qui c'est. Ok, donc il est encore là. Ils sont encore là, hein, les deux sont encore là. Ok, très bien. Donc le mec sait que je suis là. Oh là là, sans déconner. Foutez-moi la paix, leave me alone. Laisse-moi tranquille, j'ai dit. Casse-toi. Tu vois qu'il y avait beaucoup de monde en plus, c'est chiant quoi. On aurait peut-être pu faire bien plus quoi. Oh, c'est chiant. C'est chiant, j'ai envie de tenter, même si je sais que ça risque d'être mort, j'ai envie de tenter. Ah mais ils vont être deux. Ça va être chiant par contre. Ah, ça passera pas parce que moi j'ai pas pu recharger mon autre config, donc ça va être chiant. En plus les protés vont m'attaquer, donc très clairement c'est mort quoi. Hein, pour tout bien résoudre, c'est mort. Autant que je me mette sur la première config dans tous les cas, et je l'aurai pas. C'est ça que Deo est en train de me dire, c'est que je vais me faire jambon. Hein, tu sens toi aussi qu'on va se faire banane. Ah oui, puis je peux rien faire, là, je suis en train d'essayer d'appuyer sur 8 comme un connard. Ça veut pas. Le Pussat n'a pas assez de vie. Je répète, le Pussat n'a pas assez de vie. Ce vaisseau me rend dingue. Peut-être mes configs qui sont dégueulasses. Mais normalement, je suis fait pour one shot du joueur. Et là, ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à arriver de manière sneaky et à choper le gars. Donc c'est vraiment très chiant. C'est beaucoup mieux ce format, par exemple, de la vidéo nouvelle formule. Ouais, ça a été un, c'est un peu. Bah, deux types de personnes, des gens qui disent c'est bien, qui disent c'est moins bien, c'est entre les deux quoi. J'ai pas compris, je n'ai pas trop aimé la vidéo, mais tu figures bien quand même. D'accord, bah écoute, c'est ton droit, j'adore ce type de vidéo, si tu en fais plus souvent, moi je dis oui parce que c'est trop original et génial, d'accord. Là que tu me piques les yeux, après c'est pas de bol, pour mes commentaires. Ah, ils disaient tu me piques les yeux, je pense par rapport à l'orthographe, mais bon, c'était pas très, très grave à partir du moment où c'était pour dire une chose correcte, mais. L'un n'excuse pas l'autre, faites attention à votre orthographe, ça vous sera toujours utile plus tard. Il ne faut pas croire que quand on écrit sur internet, c'est pas très grave, parce qu'après vous allez prendre les mauvais réflexes malheureusement. Salut Bera, perso j'aime pas trop ce format, je trouve qu'on entre trop vite dans les fights, fais une outro ou une intro, et les coupures c'est dommage, je trouvais ça sympa la partie où tu cherches des fights, pas seulement les fights en eux-mêmes. Entendre rager ça fait toujours plaisir, mais là on t'entend moins et on comprend. Pas vraiment le contexte, en gros on accroche moins au gameplay je trouve, mais ce n'est que mon avis. Non, c'est très bien, tu as raison de donner ton avis quand je fais des vidéos nouvelles formules, c'est vraiment le but. C'est d'avoir le maximum de retours. Et là il y a eu, bah, je dirais 70-30, 70% d'avis positifs, 30% d'avis négatifs sur la vidéo, parce qu'il y en a qui trouvent que ça coupe trop vite. Et on arrive direct au hey, « tu vas te faire défoncer, machin bidule », et puis voilà quoi, donc du coup c'est chiant quoi. «
Non, vous allez pas me péter comme ça, les gars, là. Ah, j'ai peur. Roue. Petite ralentissante. Ah, j'adore les ralentissantes. Je trouve ça génial, les ralentissantes. Je sais pas vous, mais je trouve que les ralentissantes ont un petit effet de ralentissante, quoi. C'est plutôt cool. Oh, attends. Challenge accepté ou pas? Non, challenge pas accepté. Je pensais qu'on allait choper le gars, mais non. Reprends ta petite ralentissante, là. Fais-moi pas chier jusqu'au plus point. Et le mec veut vraiment aller me chercher jusqu'à perpète les oies ou quoi, là? Sans déconner. Oh là là. Mais ils sortent d'où, tous ces gens, là? Et vous êtes au courant, il y a Paradox sur la map et il y a tout le monde qui vient pour moi? Comment ça se passe, quoi? Sans déconner, leave me alone, little, quoi. Ça pourrait être sympa. Bon, bah, on va se réparer là-bas, hein, vu que les gens n'ont pas l'air de m'accueillir les bras ouverts. C'est un peu pénible. Sympa, ça change perso, je suis plus dans le truc où tu commences, que tu fais en live, mais ça n'empêche pas que c'est sympa de temps en temps. Ouais, ça va être le but d'en faire 2-3 petites vidéos comme ça, nouvelle formule, d'en faire peut-être une fois par semaine, alors peut-être pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Là, pour cette semaine, j'ai prévu de répondre à vos commentaires le dimanche, donc tous les commentaires que vous aurez mis sur les vidéos de cette semaine, ils répondent dimanche avec beaucoup de clips qui ont été tournés avec les membres du clan sur des bases, sur des fights de guerre de clan, etc. Donc ça peut être aussi sympa, donc on verra ça dimanche prochain. Rip Uri, t'as acheté quoi? Alors, j'ai acheté, bah, comme tu peux le voir, beaucoup d'X6, des IEM. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, X6 IEM en fait, hein, ça part à une vitesse, hein, quand tu prends 150 000 ou 175 000 X6, j'avais pris. Comment te dire que Théo te dit salut, ça va? Donc tu perds énormément, et puis plus tu fais de vidéos, plus t'as besoin de muni, donc ouais, ça part très très vite. Après, je pense que là on est sur entre IEM et. Ah bah tiens, et Théo, quand je dis que Théo m'aime bien, là j'ai deux choix, soit je one shot lui direct, et je pense que c'est ce que je vais amplement faire. Le temps que son pote réagisse, ça va pas être la peine. Et puis hop, là. Et puis derrière, j'essaie de one-shot lui, mais ça va être un peu plus compliqué, je pense. On va essayer. Et moi, je vais essayer. Donc lui, il se mêle de choses qu'il ne regarde pas vraiment, donc t'aurais peut-être pas dû faire ça. On va essayer de niquer lui, du coup. Si on se fait pas niquer avant, mais hop, on va essayer de passer ça. On a passé bien trop tard, hein, malheureusement. Voilà, parce que lui a ça. Ok, bah écoutez, c'est bien joué. C'est bien joué, je joue vraiment comme une merde avec ce puissat, hein. Comment vous dire, là vous pouvez vous foutre de ma gueule sans problème. Je suis une putain de merde avec ce puissat, hein. Les gens ont pas besoin de me le dire, je le sais. Je suis une grosse merde, hein. C'est mais un point que la Terre n'a jamais porté, je crois. C'est dégueulasse. Énorme concept, j'adore vraiment. Cool, attention de micro, mais sinon ça change, c'est original. Ouais, c'est vrai. C'est le micro, c'est le problème. C'est que, bah là, normalement, cette semaine, il n'y aura aucun souci de micro, je l'espère vraiment. Mais logiquement, après tous les tests et tout que j'ai fait, il n'y aurait pas de souci particulier. Peut-être vous entendrez un petit peu le clic de souris, mais ce serait pas non plus le truc le plus infâme. Mais ouais, sinon ouais, je suis désolé pour les petits problèmes qu'il y a eu la semaine dernière. On essaie de régler ça au fur et à mesure, franchement, et c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. On va essayer de retourner à l'endroit où il y avait toutes les personnes tout à l'heure. Pour essayer de prendre une revanche, de faire quelque chose, de pas rester sur un échec de se faire défoncer la gueule comme ça. Ils sont plus. Oh, j'ai loupé le coche. Je suis déception. Alors. Ah, si, ils vont être là. Ah, il y a masse monde là. Je serais d'avis pour choper le Extreme Fighter là. C'est lui qui nous a fait chier tout à l'heure là. Et là, je pense qu'il y en a deux devant qui méritent amplement de se faire retourner, tu vois. C'est genre le type de personne de tout à l'heure qui m'a potentiellement cassé les couilles. Et qui mérite de crever en fait. C'est le gars, tu vois, tu te dis tout à l'heure. Tu nous as fait chier avec ton pote, c'était bien relou. Là, ça nous te péter, quoi. Faut vraiment que tu te laisses faire. Tu te laisses péter. Alors, mec, il y avait pas mal de monde, là. Et puis, d'un coup, il n'y a plus personne. Ça me fait un peu peur, ça. Vous êtes où, les gars? Les petits EIC. Ouh, c'est moi. J'ai une grosse merde en puissade. Venez me voir. J'en tue au moins avant de mourir, mais... Enfin, je l'espère. Alors, là, on a quoi? D'accord, donc on a lui qui est de lui. Et tu penses que lui, on peut le one-shot ou pas, quasiment? C'est peut-être lui qui nous one-shot, mais... Ah ouais, non, ça passe. Hein. Et lui, tu penses qu'on fait quelque chose ou pas? Est-ce que tu penses que oui, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je pense que oui, on peut faire quelque chose. On peut péter les deux, en fait.
Là, je commence à retrouver la sensation du puissant, tu vois. Là, c'est la sensation qui te dit « Damn, bro, t'as réussi, tu vois. T'as enfin utilisé le puissant comme il se doit. C'est bien, c'est bien. Mais ça fait 10 minutes que t'aurais dû faire ça, quoi. C'est chaud. On va voir vite fait au caillou s'il y a du monde, on va remonter vite fait. Original comme forme de vidéo, à propos de la nouvelle formule. J'ai rien inventé, hein, les gars. Hein. Ça existe depuis longtemps, hein. Les petits zaps comme ça, les petits best-of. Mais adapté sur des hauts, c'est une première, exactement. Mais c'est vrai, encore une fois, voilà, on s'inspire un peu de ce qu'on voit sur YouTube, on essaie de le remettre à la sauce, tout simplement, et puis on espère que, bah, que ça marche et que ça vous plaise surtout. Voilà. Yo mec, j'aime tes vidéos, je viens juste de faire ma chaîne YouTube, et ma première vidéo sur Dark Orbit, tu pourrais me dire ce que tu en penses, s'il te plaît. Nom de chaîne Bors, nom de la vidéo Dark Orbit level 16 vs 18. Alors, toi, mon pote, toi, c'était. Hop là. Ça va ou pas? Ça va ou pas? C'est passé crème. C'est passé crème. Le petit bouclier instantané quand on sortait directement de du fufu, au cas où s'il nous reloque instant. C'est passé tout seul. Nickel. Donc, bah écoute, voilà, j'ai dit le nom de ta chaîne. Si les gens veulent aller voir, ils peuvent aller voir. Ah ouais, je sais que c'est lui. Je sais que c'est le mec de tout à l'heure qui veut se venger. 100%. 100% il veut se venger. 100% il veut se venger, c'est sûr et certain. Non? Ah non, c'était un autre. C'était un autre. Ça va pas passer. Ah, dommage. Ah, j'ai cru que ça serait passé, quoi. Ah ouais, pourtant, il avait encore pas mal... Quoi, tu veux vraiment venir, hein? Et réellement? En fait, t'étais safe. Et tu t'es dit, plutôt que d'être safe, je vais quand même essayer de venir. Et c'est tout à ton honneur, et c'est très gentil. On a un rouge qui nous suit, je pense que c'est le vru de tout à l'heure là qu'on a retourné. On va simplement réparer un petit peu, et puis derrière on va engager le fight, hein. On n'est pas du tout en train de partir. On va juste réparer mes configs avant de fight contre, hein. Ça pourra quand même être un peu plus utile. Ah, on aurait pu se faire un petit truc comme ça en attendant, quoi. J'aimerais juste... Ah non, c'est que l'autre il est en train de se faire choper, d'accord. T'inquiète que on va te péter, toi, hein. Ça les cherche pas plus loin, c'est... Je t'ai vengé, mon pote. Je pensais pas que t'étais aussi mal dans le fight. Excuse-moi. Excuse-moi, le petit Uber qui était avec nous. Je pensais pas que t'étais dans le mal à ce point, quoi. C'était... Je voulais pas te laisser dans la merde, mais... Bah, je savais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'était... Alors, mon pote, tu veux venir ou pas? Oh là, j'ai pris Bagdad. Oh, oh vache. J'étais même pas en truc, enfin, classique, quoi, tu vois, c'est... Ah, ma, moi, moi, oui. Ah, je t'ai... Tu comme moi, tout à l'heure, bah, je crois que c'était avec le Pusat aussi, hein, en 3-6, où je faisais le malin, et puis le mec est sorti son fufu, et puis voilà. Ah, il revient, hein. Bon, là, par contre, j'ai pris le fight, mais en fait, voilà quoi. J'aurais peut-être pas dû. Mais je pensais vraiment que le vru aurait compté pour moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se préparer et on va retourner vite fait en 2-6. Voir comment les gens nous accueillent, s'ils nous respectent un peu plus ou pas. Dommage, je préfère l'ancien format qui était beaucoup plus sympa que celui-ci. Et beaucoup moins bien. Ouais. Et autant te dire que sur le truc nouvelle formule, ça me demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Hein, que sur une vidéo classique en live. Mais après, c'est ton choix. C'est ton choix. Et après, c'est pas un ancien format, c'est quelque chose qui viendra de temps en temps, quoi. C'est voilà. Donc, rip le micro, je préfère ce concept par contre, micro. Ouais, bah après, il faut le régler, ce micro, quoi. Mais je sais pas, les cons qui font en sorte que bah, les micros jack ça marche moins bien, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. J'ai le Goliath, Centaur, full iris, full design épique, full basique. Je vais bientôt, j'ai débloqué la bêta, mais après l'avoir faite, je voudrais bien avoir une formation de drone, laquelle prendre, en sachant que je serai ma première formation que j'achèterai avec des jurys. Papillon, comme je l'ai dit une multitude de fois, je vous ai dit, la papillon sera la plus utile pour pouvoir faire vos GG au demi. Non seulement vous allez faire des économies munitions, parce que vous allez ignorer 20% du book, mais aussi ça va être une formation qui vous sera utile toute votre vie. Et j'arrive à me faire bolos par un mec comme ça? Non. Il dit que ça pouvait pas être possible.
Je me disais que ça pouvait pas être possible quand même. Mais si, il a failli me bolos avec sa petite gelante. J'ai hâte d'être au mois de décembre, je vous dis les amis. J'ai vraiment hâte d'être au mois de décembre pour enfin pouvoir avoir des gelantes. Et puis moi aussi bolos dégâts parce qu'à force c'est chiant. Pourquoi je veux bien prendre le fight contre toi, mais 100% tu vas utiliser l'aptitude du spectrum et ça va être chiant quoi en fait. Donc enfin voilà, en plus les mecs ils tapent, tu sais, ils te mettent des tatanes dans la gueule. Bah, c'est insane quoi. Donc là tu vas mettre l'aptitude et puis tu vas te barrer, c'est ça? Ah non, tu m'as juste bolos quoi. D'accord, c'est... non, tu t'es dit... non, tu t'es dit je passerai pas dans sa vidéo. Non, je vais le bolos en live en direct, quoi. C'est... Ah bah c'est sympa, ça a été cool. Bon écoutez, voilà pour ce qui est de cette vidéo avec le Pussat, vous l'aurez compris, je me suis vraiment pas amélioré avec celui-ci. Je le dis, mais on va définitivement le mettre au placard, celui-là je pense, parce qu'il nous porte vraiment vraiment pas chance. Même s'il peut être bien utilisé et bien fun, je crois que c'est pas un vaisseau pour nous, on est un peu trop bourrin, on veut trop rentrer dedans. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo avec un nouveau vaisseau. Prenez soin de vous, ciao ciao.